Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va démonter mon Mac. C'est un MacBook Pro de 2011. En fait, ce qui est mort dessus, c'est la carte graphique. Malheureusement, Apple n'a pas voulu prendre à l'époque en compte l'assurance, parce qu'il y avait eu comment, une série de Mac où la carte graphique lâchait. Donc il y a eu une série de Mac qui ont été pris en compte. Mais malheureusement, pas tout le monde. Donc, quand on est petit par rapport à une grosse société comme eux, ben, on n'a que ses yeux pour pleurer. C'est bizarre, il me semblait qu'il n'y en avait que deux fils comme ça. Alors j'avais donné le Mac à une société, voire pour le rebillage de la puce. Et en fait, ça n'a rien donné. À l'époque. Donc, voilà. Vais pouvoir récupérer au moins déjà mon disque dur. Giga. Connecteur qui était mal branché.
cet aliment-là de Mac n'a pas la même tension, elle est plus faible que le... celle-ci. Et j'ai bien peur que soit il n'y a pas assez de jus, ou parce que ça, c'est une alimentation d'un Mac Air. Je crois qu'elle est un peu moins puissante. Et le MacBook Pro, lui, apparemment, il lui faut un peu plus d'énergie. Soit j'essaye de laisser un petit peu recharger la batterie, si il peut charger la batterie ou pas. Je vais le laisser recharger un petit peu, voir si il prend la charge ou est-ce que la batterie est vraiment HS, parce que bon, il y a un petit moment qu'il ne fonctionne plus, enfin qu'il est là en dépôt. Donc, peut-être que la batterie est aussi maintenant HS. À plus tard.